Exceptionnellement, belle assemblée, présentement, nous n'allons pas faire de musique. Nous n'allons point chanter non plus. Mais, moult divertissement s'offre. Applaudissements. Nous vous présentons Guillaume William. Pas mal. Vous vous posez la question, mais c'est pour faire quoi? Eh bien, notre jeune Guillaume, William pour les Anglais, va maintenant revêtir son habit de lumière. Pour ce faire, il va être adoubé une fois qu'il aura revêtu cet habit. Adoubé, bien sûr, par des chevaliers. Il a passé une nuit en notre sainte chapelle, en priance, nu, dénué de tous oripeaux, en signe d'humilité. Il n'y a pas péché. Bien sûr, il a passé toute sa jeunesse avec deux compagnons qui l'ont suivi tout le temps. Et qui vont lui servir de servant, c'est-à-dire qui vont l'aider à s'habiller. Alors Guillaume va se laisser faire, va se laisser vêtir. Et le travail va consister pour nos deux presque chevaliers à aller quérir les pièces d'armure et à habiller notre futur chevalier. Pendant ce temps, je vous expliquerai les pièces d'armure, comment elles s'appellent, à quoi elles servaient. On va faire un petit jeu, il y aura quelques questions. Et puis, bien sûr, une fois que tout sera fait, nous pourrons adouber notre chevalier. L'adoubement, cette cérémonie à la fois militaire et religieuse. Alors, nous allons commencer par les jambes, par les jambières. Nous allons faire également un petit peu d'anatomie, vous le verrez, prestement. Un de nos futurs chevaliers va s'occuper de toute la partie senestre et l'autre de toute la partie dextre. Ça va, ça? Ouais. Hein, hein? Senestre, enfin, d'accord. La sinistre, la main du diable, hein, la gauche, et l'autre, la dextre, effectivement, la droite. Alors, nous avons sur ces pièces une jambière complète. Ces pièces d'armure pouvaient être, bien sûr, divisées en 1, 2, 3 et 4 pièces différentes. La partie qui protège la cuisse, c'est un peu comme dans le sport et dans le vélo, s'appelle cuissard, cuisseau ou cuissard, d'accord? On continue, c'est comme dans le sport pour l'instant. La partie qui protège le genou s'appelle... Oh oui, il y a des sportifs et des footballeurs et tout. La partie qui protège tibia péroné. Alors là, ça change un peu, vous n'avez pas trouvé. Ça s'appelle des... Pas protège tibia. Ça s'appelle des grèves, avec un accent grave de préférence, d'accord? Et la partie qui est au sol, qui protège tout ça étant articulé, bien sûr, bien évidemment, s'appelle des solerets. On a tendance à penser, quelquefois, que nos chevaliers dans l'armure ne pouvaient plus se relever. En fait, non, pas du tout. Les forgerons qui étaient payés à prix d'or, pour faire des armures sur mesure pour nos chevaliers. Et donc, elles étaient légères et solides, le plus possible. Imaginez qu'il y avait à peu près 40 kilos quand même sur notre chevalier, hein, avec les armes, ça faisait ça. Mais c'est rien. On pense que c'était des petits chevaux rapides, pas du tout. C'était des postiers bretons, c'était des percherons, des boulonnais, des grands chevaux. D'ailleurs, d'où l'expression, n'est-ce pas? Si vraiment tu fais l'andouille, je vais monter sur mes grands chevaux. C'était l'expression, c'est-à-dire partir à la guerre, bien sûr. Alors, la partie qui protège la panse pouvait être en plusieurs parties également. Sur cette armure, c'est en une seule partie. Cette partie-là s'appelle pansière, bien sûr. Pansière pour protéger la panse. La partie qui protège le dos s'appelle dossière. Jusque-là, tout va bien. Cette partie-là, articulée aussi, s'appelle braconnière. Il y a un petit peu aussi sous les aisselles, voilà, mais bon, ouais, ça, on peut le faire comme ça. Vous pouvez le faire tourner si vous n'êtes pas à la lumière, hein. Nous allons continuer en mettant les deux petites tassettes qui vont ici sur les côtés dextre et senestre de notre chevalier.
Très bien, c'est exactement ça. Fais-te tourner de trois quarts si jamais tu vois pas. Imaginez qu'une armure, comme ça, c'est l'équivalent, peut-être certains en ont, vous allez nous dire ça, d'une grosse, grosse Mercedes. Vous voyez, je prends un exemple. T'en as une, toi? D'accord. Et où ton papa? Maman. Oui, maman aussi. Bah, maman aussi a une Mercedes. Bon, bah, c'est bien. Non, papa, papa est une Mercedes. Papa a une Mercedes. D'accord, d'accord. Mais ça peut être une BM aussi, enfin, mais une grosse, quoi. Hein. D'accord. C'est à peu près l'équivalent. Vous voyez ce que ça peut représenter. Il y avait ce qu'on appelait des pas d'armes, où un chevalier venait défendre son pas d'armes, et les autres, les concurrents venaient, et ceux qui perdaient, perdaient les chevaux, les armures qui coûtaient cher, évidemment, et un certain nombre de choses. Donc ces petites tassettes qui sont là et qui protègent notre chevalier. Nous allons faire une petite pause. Remarquez, belle assemblée, qu'il y a pour l'instant, évidemment, les bras, on va protéger tout ça, mais il y a quand même deux petits endroits qui ne sont pas protégés à notre chevalier. Je n'ose le dire. Regardez devant, et notre Seigneur avait une particule aussi. Et ces deux endroits ne sont pas protégés. Pourquoi? Me le direz-vous, gentle dame? Pour pardon, pour cheval. Qu'est-ce qu'il va faire avec le cheval? Guillaume, sérieux? Non. Oui, pardon, excusez-moi. Bien sûr, bien sûr. Évidemment, ce n'est pas protégé parce que le principe du chevalier, c'est d'être à cheval. Et vous aviez une selle qui arrive ici, bien sûr, fais un peu. Fais-le comme ça. Voilà. Ça, c'est la selle. Il a les jambes un peu arquées, c'est normal. La selle et le pommeau arrivaient à peu près là. On était vraiment coincé dans la selle et ça arrivait aussi très haut derrière. Nous allons continuer en protégeant les bras de notre chevalier. Tout va bien, dextre à sénestre. Nous avons des gardes qui protègent l'avant-bras, des gardes. Des petites ailettes ici, comme nous avons au genou, qui protègent à la pliure. Alors, il faut vous dire qu'avant, parce que on a un petit peu accéléré, avant de mettre l'armure, nos chevaliers avaient sur eux quand même ce qu'on appelle un gambison, qui était généralement fait de peau ou d'une matière matelassée, molletonnée, de façon à être protégée. Ensuite, il y avait un haubert de maille, ce que vous appelez une cotte de maille, qui arrivait à peu près à mi-cuisse. Déjà, ça commençait à peser. Mais ça protégeait, parce que ça pince quand même, hein. C'est une armure de plate du 15e siècle. Et vous avez ici ce qu'on appelle des spalières qui protègent les épaules. Sur cette armure, les deux spalières sont identiques. Mais, souvent, belle assemblée, les deux spalières étaient complètement différentes. À votre avis, pourquoi? Pourquoi celle de destre était différente de celle de sénestre? Celle qui n'était pas protégée était différente. D'un côté il avait un écu, l'autre côté il avait le... Effectivement, la spalière de droite était prévue pour prendre la lance, et celle de gauche, la targe, l'écu, le bouclier pour se protéger. Et ces spalières étaient vraiment faites pour coincer vraiment le bouclier et coincer vraiment la lance. Ils se croisaient comme ça, d'accord? Que ça soit pour les tournois à plaisance ou que ça soit en grande bataille. Protégeons le cou de notre chevalier avec une pièce d'armure qu'on appelle gorgerin. Ne dis rien, ne respire pas. Voilà. Alors ensuite, nous allons donc protéger un petit peu la tête de notre chevalier avec un cal, ce qu'on appelle un cal. Voilà, vous voyez aussi, c'est matelassé, molletonné. Certains diront que c'est un cal comme tous les caleçons, c'est vrai. Ensuite, par-dessus ce cal, on va mettre un camail. Le camail, c'est donc aussi une cotte de maille, mais qui protège la tête du chevalier. Généralement, là, ça lui arrache le nez, enfin la bouche un peu, voilà. Voilà. Nous sommes au 15e siècle sur cette armure. Évidemment, à la fin du 15e, il n'y a plus de croisades à cette époque-là. Mais imaginez quand même qu'au 12e, 13e, à l'époque où il y en avait, les armures étaient un peu différentes. Mais quand même, il y avait ça, il y avait les haubères de maille, les camails, etc. Et ils ne les enlevaient quasiment jamais. On va lui mettre maintenant un casque, qui est un casque et qui n'est pas un home, avec une visière ou un ventail. Le home était une grosse boîte, juste avec trois trous. Vous imaginez ça dans les déserts de Palestine, à 45 degrés à l'ombre.
Alors, les gantelets sont vraiment articulés pour qu'il y ait l'appréhension des armes. À l'intérieur, il y a un gant de peau, un gant de cuir, et toutes les phalanges sont articulées. Mais c'est pas mal, c'est bien, c'est bien. Si vous voulez les photos, c'est maintenant, après on va plus le reconnaître. Alors. Nous allons baisser le ventail. La ligne bleue des Vosges, c'est là-bas. Hop. Applaudissements. Messieurs Guillaume, vous allez relever votre ventail et mettre de trois quarts un genou en terre. Mettez un genou en terre. Nous allons maintenant procéder à l'adoubement de notre chevalier. Faites grand silence. De par le très noble, très puissant et très valeureux Gouffier, seigneur de Lastour et autres lieux, de la très aimée, très douce, très pieuse et néanmoins très belle dame de Lastour. Il est décidé qu'en ce jour-là, quatrième jour avant l'Assomption, grand adoubement sera proclamé. Par devant Dieu et le banc de ses pères, je semble, sire Guillaume, d'apparaître devant vous, devant cette noble assemblée, après une nuitée de brillance, en ostre habillé, en simple chemise, dépouillé de tous oripeaux, en signe d'humilité, il se présente devant vous. Un genou à terre, en signe d'hommage-lige et d'allégeance, il a mis. Messire Guillaume, jurez-vous de respecter les règles de chevalerie? Oui, je le jure. Oui, je le jure. Avec un peu de conviction. Oui, je le jure. Jures-tu de louer comme il se doit nos saintes patronnes, Sainte Valéria et Sainte Barbe, qui ont béni ces armes? Oui, je le jure. C'est bien, il a compris la réponse. Jures-tu, Guillaume, de défendre et de protéger les faibles? Oui, chef. Oui. Jures-tu, Guillaume, d'être libéral et de faire aumône aux pauvres? Oui, je le jure. Jures-tu également d'aimer le pays où tu es né? Oui, je le jure. Jures-tu d'être toujours le champion du bien et du droit contre l'injustice et le mal? Oui, je le jure. Bon bien. Jures-tu, Guillaume, d'honorer en ta couche au moins une fois par neuvaine? C'est pas beaucoup. Les dames, ainsi que de temps en temps, de poutouner les gargamelles des pucelles de tes domaines. Oui, je le jure. Il aime ça, lui. Jures-tu également de faire des dons réguliers aux bons moines de notre abbaye, et notamment à celui que l'on nomme moi, Don Pérignon? Ah. Il n'est pas péché. Oui, je le jure. C'est bien. Il ne sait pas ce qu'il jure, je crois. Jures-tu également, jeune Guillaume, pour faire montre de ton bon goût et grande connaissance des arts et de la musique, d'acheter au moins un CD de l'ensemble des musiciens qui sont ici présents? Si vous me l'offrez. Non, les grands jambons. Oui, jure. Jure. Il le jure. Bien. Ainsi proclamé, tu vas maintenant être adoubé. Nous te faisons chevalier. Oh, la sienne. Au nom de Dieu, de Saint Martial et de Saint Georges, Sanctus Renat, Sanctus Imperat, Sanctus
Banshee. Sois vaillant, loyal et généreux. Tu peux te relever maintenant. Et maintenant, la collade ou la paumée. Signe de transmission de la vaillance d'un chevalier à un autre chevalier. Noël, Noël, applaudissements. On va même lui donner celle-ci, regarde. Oh, elle est bien celle-ci. C'est une épée à deux mains qu'on appelle branc. C'est vraiment pour la déco parce que c'est injouable, on ne peut pas se battre avec ça. On peut à peine la lever. Mais oui, je le jure. Vous pouvez maintenant applaudir, bien sûr, notre Cyril Guillaume, ainsi que M. Joly et Alexandre.